ouvrir sur le côté. Tout ça, ça va se refermer, on ne verra rien. Et la farce ne va pas sortir. Hein. Alors bon, nous, nous en occupons. Il faut demander à votre volailler ou à votre boucher, hein, bien sûr, de laisser l'arrière ouvert. Donc là, je vais vider. On va pouvoir conserver les abats, soit pour mettre dans la farce, hein, bien sûr. Ou alors vous les mettez à côté pour les gens qui aiment bien les abats. Hein, ça se trouve encore. Il y a encore des amateurs. Vous voyez, il y a de la place hein, dans une dinde. Hein, les 500 grammes plus l'ingrédient, hein, que ce soit des pommes ou des marrons, ça rentre aisément. Et ben, nous allons tout simplement récupérer notre farce, en l'occurrence avec des marrons. Et puis on va garnir la bête, tout simplement. Une fois que c'est à l'intérieur, le but c'est d'éviter que la farce ressorte. Donc nous allons prendre une aiguille à brider et brider la bête. Il y a d'autres procédés pour brider, mais bon, c'est pas très fiable par rapport à l'aiguille. Hein. Nous allons retourner la bête. Donc, tous ces gestes-là, hein, vous pouvez les faire chez vous à la maison, il n'y a pas de problème. De la ficelle à brider, ça peut se trouver également, hein, y a vraiment aucun problème. Même si ce sont des choses qu'on ne voit plus beaucoup, ça existe encore et on en trouve. Voilà, donc là, ce qu'on appelle nous brider. Alors ça, c'est la première ficelle, c'est la ficelle avant. Hein, donc. Voilà, on va bien serrer le nœud. La ficelle avant, elle traverse. Maintient la bête, vous voyez, hein, déjà la plus fière allure. Et nous allons mettre, ben celle-là, c'est important justement pour pouvoir faire sortir la farce. Vous voyez cette bouche qui est quand même assez grande, hein, là, hein, on a fait une grosse ouverture. Ben, on va fermer tout ça. Voilà. Alors, on double la ficelle pour que ce soit plus solide, parce qu'une dinde, c'est quand même costaud. Là, on va repasser juste en dessous des cuisses, vous voyez, à ce niveau-là, là, sous le bréchet. Voilà. Si vous achetez votre bête chez votre volailler ou chez votre boucher, bah vous lui demandez qu'il laisse cette ficelle arrière ouverte pour que vous, bien évidemment, vous puissiez rentrer votre farce à l'intérieur. Et puis ensuite, eh bien, vous prendrez soin vous-même de faire le nœud ici. Vous allez voir, en rapprochant les pattes, hein, ça se fait tout seul. Voilà. Voilà, vous voyez, les deux pattes se rapprochent. Et ça se ferme tout seul. Parce que là, je vous ai tout dit.